Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de gagner de l'argent sur Facebook. Voilà, c'est une nouvelle option qui vient d'être déployée par Facebook. Donc, c'est le moment de l'utiliser avant qu'elle disparaisse parce que lorsque plusieurs personnes seront sur cette nouvelle option-là, je sais que elle va disparaître. Donc, en profiter pendant qu'il ne soit trop tard. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le disais, Facebook vient de déployer une nouvelle option qui va permettre à tout le monde de pouvoir gagner de l'argent sur son profil Facebook. Voilà. Lorsque tu vas activer cette nouvelle option-là, tu pourras déjà bénéficier de l'argent parce qu'il y a des publicités qui vont s'afficher sur ton profil et tout, et tu pourras être rémunéré. Voilà. Donc, pour activer cette option-là, c'est tout simple. Vous allez vous rendre sur Facebook. Voilà. On va se rendre sur Facebook, que je retrouve mon Facebook. J'ai tellement d'applications dans mon téléphone. Voilà. On voit bien le logo Facebook qui est là. Donc, vous allez appuyer sur Facebook. Voilà. Une fois que vous êtes sur Facebook, vous allez venir appuyer sur votre photo de profil qui est là. Voilà. Vous voyez ici, il y a votre photo de profil ici. Vous pouvez aussi appuyer sur les trois petits points ici pour rentrer sur votre profil. Donc, vous voyez, quand vous appuyez ici, vous rentrez directement sur votre photo de profil, sur votre profil en question. Une fois que vous venez aussi ici, vous appuyez sur votre nom ici, c'est la même chose. Vous avez cette opportunité aussi d'accéder à votre profil. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir appuyer sur les trois points ici. Vous voyez ici, il y a des trois petits points ici. Vous allez venir appuyer dessus. Voilà. Quand vous appuyez dessus, vous allez regarder juste en bas ici. Vous voyez, c'est marqué activer le mode. Oh, qu'est-ce que j'ai appuyé, c'est quoi? Vous voyez ici, c'est marqué activer le mode professionnel. Voilà, activer le mode professionnel. Voilà, vous voyez ici qu'il n'y a pas de problème sur le compte. Il n'y a pas de problème sur le compte, raison pour laquelle le mode professionnel est activé. Mais si on considère que vous avez un problème sur votre compte, je vais vous montrer un autre exemple de ma page. De mon Facebook principal, je vais me déconnecter. Je vais me connecter sur mon Facebook principal. Voilà. Voilà, ici c'est mon Facebook principal. Vous allez voir quelque chose. Lorsque je viens sur le profil et j'appuie sur les trois points ici, on voit bien qu'il n'y a pas le mode professionnel qu'elle a. Pourquoi? Parce que ici, j'ai statut du compte, c'est marqué attention. Vous voyez, raison pour laquelle le mode professionnel n'est pas sorti. Avertissement relatif au compte. On me dit que j'ai partagé quelque chose. Vous n'avez pas pu gérer des pages pendant 3 jours. Donc ici, vous voyez que j'ai un avertissement. Donc on voit bien qu'il n'y a pas l'activer le mode professionnel. Donc vous, si vous ne trouvez pas le mode professionnel chez vous, c'est qu'il y a un problème sur votre Facebook. Donc ici, on va revenir en arrière pour aller sur mon Facebook où il n'y a pas de problème de connexion. Voilà. Et voilà. Donc, comme je le disais, vous appuyez sur la photo de profil ici, les trois points ici, et vous venez appuyer sur activer le mode professionnel ici. Vous appuyez dessus et on vous dit quoi? Activer le mode professionnel, ajouter de nouveaux outils à votre profil pour vous développer en tant que créateur sur Facebook, débloquer de nouvelles sources de revenus, créer des contenus intéressants et découvrir s'il peut vous permettre de gagner de l'argent, découvrir les performances de vos publications et tout. Donc ici, on va venir appuyer sur activer. Vous voyez? Voilà. Et désormais, on nous dit bienvenue dans le monde professionnel. Explorez toutes les façons d'utiliser le mode professionnel pour optimiser votre expérience. Explorez. On nous dit, votre profil dispose désormais d'outils professionnels qui vous aideront à vous développer en tant que créateur. Découvrez le mode professionnel à propos du mode professionnel. Donc ici, de nouvelles façons de monétiser. Donc ici, on va découvrir le mode professionnel d'abord. On nous dit, même profil, nouveau profil. Le mode professionnel signifie que votre profil personnel dispose d'outils spécifiques pour vous aider. Élargissez votre audience, établissez
votre présence sans devoir créer de nouvelles pages, devenez un créateur. Tout le monde peut vous suivre et votre profil contenu public sur votre profil ou dans le sujet d'actualité. Faites-vous découvrir. Vous voyez, hein, c'est un peu ça le mode professionnel. Comment on va gagner de l'argent maintenant? On appuie dessus. On nous dit créer du contenu de qualité et gagner de l'argent. Vous pouvez maintenant gagner plus d'argent grâce à votre contenu public qui obtient de bons résultats. Vous devez répondre aux critères de nos règles de monétisation pour les partenaires. Vous devez vérifier si vous êtes éligible aux outils de monétisation et configurer votre compte de règlement dans le tableau de bord professionnel. Donc ici, on appuie sur accéder au tableau de bord professionnel. Voilà. Bienvenue, Get Started. Voilà. On nous dit assurer le succès de votre profil. Parlez de vous et utilisez vos nouveaux outils professionnels pour communiquer avec votre audience. Donc ici, 2 sur 5. Couverture de publication, intégration à la publication, nouveau followers 0. Voilà. Donc vous voyez, critère non, puis on appuie sur continuer. Voilà. Donc ici, on nous dit de terminer la configuration de mon profil. Voilà. Donc ici, on me dit d'ajouter une bio, créer un nouveau contenu, commencer à vous exprimer et débloquer les statistiques sur votre audience. Voilà, ajouter des détails à propos de vous. Donc ici, je dois remplir toutes ces étapes-là. Donc je vais essayer de les remplir rapidement. Voilà, j'ai rempli tout ce qu'ils m'ont demandé. Je fais un retour maintenant. Je viens au deuxième. Amis et followers. On nous dit, les followers reçoivent les mises à jour de votre profil dans leur fil d'actualité. Lorsque votre audience est définie comme public en mode professionnel, il n'y a pas de limite au nombre de followers que vous pouvez avoir. Vous avez actuellement 333 followers. Vous conservez également vos amis. Les amis sont inclus dans votre compte de followers, mais leur nom et leur profil n'apparaîtront pas dans votre liste de followers. Donc, vous pouvez toujours partager en mode privé avec vos amis. Donc, ici, je peux voir les followers. Voilà. À propos du nombre d'abonnés, en mode professionnel, le nombre d'abonnés inclut les amis, mais vous ne verrez pas leur nom et leur photo de profil dans cette liste. Ah, ok. Donc, vous pouvez le voir. Vos amis deviennent automatiquement des followers. Voilà. Donc ici, on fait un retour. Et ici, il y a statistiques. Apprenez à connaître votre audience. Moi, ici, vu que c'est un nouveau Facebook, parce que l'autre, mon Facebook principal, il y a un problème dessus. Donc, c'était pour vous montrer que sinon, celui-là, je ne l'utilise pas trop. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. Désormais, tout est activé maintenant. Vous pouvez maintenant mettre maintenant du contenu et vous allez voir que vous allez commencer, allons-y, vous allez commencer à gagner de l'argent lorsque le mode professionnel il est activé. Voilà, vous allez voir, tout est activé ici. Et une fois que c'est fait, vous allez maintenant faire maintenant vos publications maintenant. Voilà, vous allez maintenant faire vos publications et suivre vos différentes statistiques. Voilà, donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous aussi activer le mode professionnel sur votre profil Facebook. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao!